Moi, je me suis engagé dans la défense de l'environnement parce que j'ai juste compris que les arbres sont hyper importants pour une vie terrestre. Donc si nous les détruisons, si nous ne les protégeons pas, si nous ne plantons pas, si nous ne reboisons pas, donc nous risquons notre vie sur Terre. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 17 ans. Je suis ambassadeur du quartier Vert Challenge. J'étais président du club environnement de mon ancien collège. En tant qu'ambassadeur du quartier Vert Challenge, je participe à des campagnes de reboisement. Je fais du micro-jardinage chez moi. J'incite mes camarades jeunes comme moi à la propreté et à la protection de l'environnement. La spécificité du quartier Vert Challenge est que chaque citoyen duplique le modèle chez lui. Nous, dans la communauté quartier Vert Challenge, on ne se déplace pas pour aller faire pour les autres, mais les gens font pour eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Moi, je fais devant ma porte des fleurs des arbres. Mon voisin fait de même, le vis-à-vis fait de même. On n'a pas besoin de se mobiliser, ça ne nécessite pas un gros budget. À partir d'un hashtag et à partir de mon téléphone qui me filmait tout le temps en train de faire, nous avons fait un hashtag qui a permis aujourd'hui de dupliquer le modèle dans 16 pays d'Afrique. Donc jusqu'à Madagascar, dans l'océan Indien, aujourd'hui, nous avons des communautés quartier Vert Challenge. Et nous nous retrouvons sur des plateformes pour échanger, discuter, se renforcer mutuellement. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un club pour mettre en pratique les leçons que nous récitons. Donc nous nous sommes dit, nous allons reboiser notre école, planter des arbres. Comme ça, nous allons avoir une excellente carte de vie et en même temps pour lutter contre les réchauffements climatiques. Alors là, c'est mon école. Aujourd'hui, on est venu pour voir si la relève est bien assurée. Ah, Amina, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Tu vas bien? Bien. Ça va vous? Ça va. Comment vous allez? Ça va bien. Bien, à l'école, ça va? Je m'appelle Aminata, j'ai 14 ans, je suis ambassadrice du quartier Vert Challenge et je suis aussi coordonnatrice du club environnement de mon collège. Celui-là, il n'était pas là, hein? Ah, cool alors. Il y a aussi de nouveaux arbres. De nouveaux arbres, ouais. Ça, c'est le manguier. Ah, un manguier. Il doit avoir, si je ne me trompe pas, un mois ou deux mois. Ah, un mois et deux mois. Ça, c'était un citronnier. Ah, un citronnier. Mais, oui. Mais il n'a pas pu résister aux inondations. Ah, si. On l'a perdu. Donc, ah, ok. Donc, pourquoi pas y mettre un nouveau? Oui, pourquoi pas. Ah, ok. Nous, les membres du club environnement, nous entretenons les arbres et les plantes. Et nous en plantons de nouveau parce que les arbres absorbent le carbone et rejettent l'oxygène que nous respirons, dans lequel ils purifient l'air. Donc nous invitons tous les élèves de toutes les écoles à faire la même chose que nous pour qu'il y ait un impact global sur la lutte contre le réchauffement climatique.